la vie de Christ dans un homme produira les œuvres de Christ. Le Saint-Esprit dans un homme produira un chrétien. Jamais pas. Quand je veux parler au lys, il prend ma bouche. Autre, car chaque sémence. Qui veut le prospérer? Prospérer à tous ce privilège de nous tenir dans sa maison et devant son peuple racheté. Un peuple qui a de la valeur plus que le sang de Jésus. Un peuple privilégié qui a reçu le message du temps de la fin. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Merci notre Seigneur Jésus pour cette vie et pour cette opportunité. Merci révérend Firmin pour votre confiance toujours à l'essai de votre chair. Chaque fois que je viens ici, il me tend toujours la main pour prêcher dans son église. C'est des fois moi qui m'échappe un peu. Mais lui, il est toujours disposé à me donner sa chair. Bien que je n'arrive pas aussi à bien les saisir quand il vient en Bujumai. C'est difficile pour l'avoir. Difficile. Vraiment difficile. Une fois, il est venu visiter mon église en dehors de culte. Pour voir seulement le temple et les chaises. C'est difficile pour l'avoir. J'ai réussi à l'avoir chez moi à la maison, mais je n'ai jamais réussi à l'avoir à la chair.
Alors, comme il me fait toujours confiance, que Dieu le bénisse pour cela. Et je suis devant le peuple qui m'aime. Il n'y a pas moyen de demander, je sais que vous m'aimez. Il faut ouvrir mon cœur pour voir que je vous aime. Frère Branham a dit, avant de commencer mon message, j'ai un petit message, tellement petit. Dans, quand je réfléchis à mes voix, du juin 1959, premier paragraphe, Frère Branham a dit, je vais m'approprier ces paroles. Merci beaucoup, mes frères. Cela fait vraiment plaisir d'être ici. Et cette assemblée-là avait beaucoup applaudi cela. L'assemblée applaudit vivement. Il dit merci. Tous mes remerciements. J'apprécie cette acclamation. Ça me fait du bien quand je suis le bienvenu. Il n'y a rien de plus doux que de venir à un endroit où l'on est le bienvenu. Où l'on se sent vraiment chez soi. J'ai pensé, juste quand je me tenais là, à la gentillesse des gens, à la bienveillance de Dieu, et aussi à la gentillesse des gens. Je me sens aussi bienvenu. Je me sens très bien parce que je me sens chez moi. À cause de votre courtoisie, votre accueil, que Dieu vous bénisse alors. Il dit dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie. 8 septembre 57. Je paragraphe 235. Je prends au milieu. Tous nous aimons entendre de bonnes paroles à notre sujet. Camarade me dit tous, c'est-à-dire tous. Et chacun se sent quand même bien quand on lui dit de bonnes paroles. Je pense que c'est bien de dire de bonnes paroles là-dessus. Si vous voulez que quelqu'un dise de bonnes paroles à votre sujet, dites de bonnes paroles au sujet de quelqu'un d'autre. Si vous voulez qu'on vous apprécie, commencez par apprécier quelqu'un d'autre. Si vous voulez qu'on vous élève, commencez par élever quelqu'un d'autre. Frère Branham a dit, voilà comment il faut agir. Alors vous direz toujours les meilleures paroles que vous pouvez à l'égard de tous. Et avec cela, les choses iront mieux. Vous savez, si vous n'avez pas une bonne disposition envers moi qui prêche, même si je prêche que le feu sort de ma bouche, vous n'allez rien saisir. Vous allez me critiquer dans votre cœur, vous aurez autre chose dans votre esprit. Tout ce que je vais dire, même sous l'onction, ça ne vous servira pas. Mais si vous m'aimez déjà, et que vous pouvez dire de bonnes paroles de Daniel, tout ce que je vais dire, ça va vous aider. Est-ce que vous dites amen? Est-ce qu'on dit amen? Quelqu'un peut dire alléluia? Souris donc, aidez dans ton visage, lève tes mains vers celui que tu es. Lève tes mains, c'est le que tu es.
pour toi. Quand on dit assez, c'est-à-dire ce que Dieu a fait, c'est vraiment apte pour chanter. Réalise un peu ce que Dieu a fait pour toi, pour que tu puisses un peu chanter avec moi. Chanter, c'est assez. Oh, chanter, c'est assez pour bébé. Chanter, oui, oui. Hallelujah. Oh, c'est assez pour mes frères chanter. Oh, sauter, c'est assez. Hallelujah. La parole. Tout à soma, nen. Alléluia. Amen. Nous ouvrons alors qu'on va annoncer l'écriture au tableau. Tout à soma. Je vais parler sur un petit sujet que je vais terminer ce matin. C'est juste une exhortation pour la prière. Ça sera une réunion de prière ce matin. Amen. Amen. C'est juste une rune de prière. Marc 10. Marc Okumi. Ce que je vais parler sur, et Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Et il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Ce matin, Jésus va s'arrêter et il va te demander, que veux-tu que je te fasse? Lisons. Il arrivait à Jéricho. Je lis Marc 10, 46 à 51. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mangea aveugle, était assis au bord du chemin. Laisse-moi lire un peu seul. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi.
Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous mettre. Nous ajoutons Luc chapitre 8. 43-48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans aucun eu pu la guérir. Aucun eut pu la guérir, bien sûr. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Parce que quand Jésus s'arrête, il arrête ce qui ne va pas chez toi. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint, toute tremblante, se jeta à ses pieds, déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Que Dieu bénisse sa parole. Je lis William Branham. Dans Obéir à la voix de l'ange. 13 juillet 1950. Deuxième paragraphe. Frère Branham a dit, il n'y a rien que je puisse faire par moi-même. Tout ce que je peux dire, c'est simplement ce qu'il me montre. La seule chose que tout véritable homme de Dieu peut dire, c'est uniquement ce que Dieu a mis dans sa bouche pour dire. En dehors de cela, ce serait complètement un échec. Et je vais dire ce que Dieu a mis dans ma bouche pour vous dire. Je dois obéir à l'ange, je dois obéir au Saint-Esprit pour vous dire ce que je vais dire ce matin. En dehors de cela, c'est un échec. Si c'est contre vos attentes, tant pis pour moi, tant pis. Mais moi je dis ce que le Saint-Esprit a mis dans ma bouche pour dire. Même si c'est petit, ça va aider même une personne ce matin. J'ai un ministère de répétition. Je dois répéter ce que Branham a dit et faire la répétition de ce qu'on vous prêche ici. Je peux sortir un vocabulaire qui va vous saisir, qui n'était pas dans d'autres prédications que vous avez déjà suivies. Alors vous soyez seulement connectés, Dieu va faire quelque chose. Peut-être l'amour que vous m'aimez, la confiance que vous avez en moi, pouvez recevoir votre bénédiction différemment de ce qu'on avait organisé ces jours-là et qu'on avait prêché la même prédication. Amen. Amen. Je dois être bref parce que nous avons une manifestation de l'autre côté. Jésus s'arrêta et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Vous avez suivi l'histoire de Marc. C'était Bartimée qui partait de Jéricho. Donc ils arrivaient plutôt à Jéricho.
Et lorsque Jésus sortit avec son foule qui le suivait, il y a eu un homme à Bartimée. Il a aussi entendu les bruits. Et que Jésus de Nazareth passait. Puisque Nazareth, c'est de l'autre côté, pour aller à Jérusalem, pour quitter Nazareth, de passer le Jourdain, et puis vous arrivez à Jéricho. À l'extrême droite, c'est là où il y a la Samarie. Vers Galilée avant d'arriver à Jéricho, à Jérusalem. Ainsi, arrivé à Jéricho, il y avait un homme à Bartimée qui criait aussi, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. C'est ce qui a arrêté Jésus. Et là, quand Jésus s'arrête, il appelle-le. Et quand il vient, il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il a dit, Seigneur, que je recouvre la vie. Nous voyons encore une autre femme qui arrête Jésus alors qu'il avait la perte de sang et que Jésus passait au milieu de beaucoup de gens. Il n'y avait pas moyen qu'il entende sa voix. La femme a décidé, si je touche seulement le bord de ses vêtements, je serai guéri. Quand elle a fait cela, elle était guérie à l'instant. Mais Jésus a senti qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Il s'est arrêté. Il a cherché cette personne. Les gens ont dit, mais il y a beaucoup de gens qui te touchent. Mais comment tu peux dire que quelqu'un m'a touché? Jésus comprenait qu'il y avait le toucher particulier qui n'était pas comme d'autres touches. Et la femme a eu peur. Elle est venue chez Jésus. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. À Bartimée, ta foi t'a sauvé. À cette femme, ta foi t'a sauvé. Et ce matin, ta foi va te sauver. Alléluia. Amen. Je suis venu spécialement pour vous bénir. Mon petit message de ce matin, c'est pour la bénédiction de l'Église tabernacle. Mon petit message de ce matin, même les visiteurs qui sont venus prier aujourd'hui, ils seront bénis. Ce matin, les gens seront bénis. Puisque Jésus va s'arrêter et il te donnera le désir de ton cœur. Si vous dites Amen, ça va commencer déjà maintenant. Si vous dites Amen, la difficulté va finir maintenant. Si vous dites Amen, la bénédiction va venir maintenant. Alléluia. Alléluia. Fais-moi d'en combattre ardemment. 15 août 55. Jusqu'à 22. J'aime boire quand je prêche, mes amis. 19b à 22. Fais-moi un jour. Il sortait de Jéricho. Un homme aveugle était assis contre le mur à plusieurs mètres de là où il passait. L'homme là était à plusieurs mètres de là où Jésus passait. Des milliers de gens le suivaient. Beaucoup d'entre eux lui criaient, hypocrite Belzéboul imposteur. J'ai prêché ce message jeudi. Oh, à la lumière du soir, j'ai vu comment ça donnait des solutions. Et j'ai compris le Saint-Esprit pour ça le répéter ici. Pour une partie de l'épouse ici. Et là où il n'y avait pas moyen de terminer la réunion, les gens sont restés en désordre. Le pasteur, ce n'était pas facile de maintenir les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, le même Dieu va descendre. Et soyez seulement avec moi. Jésus marchait avec beaucoup de gens. Les uns lui criaient, Belzébul, imposteur, fils de Cécile, bâtard. D'un côté,
Lakini ngambo ingine. Il disait. Barikuwa nasema. Hosanna au roi. Hosanna kwa mfalme. Les uns le bénissaient. Batakatifu walikuwa na muti. Et les autres le maudissaient. Na bengine balikuwa na mulaani. Quel bruit. Makelele kani. D'un côté Belzebul. Ingambo Belzebul. Imposteur. Mwango. Enfant bâtard. Munafiki haramu. De l'autre côté. Ingambo ingine. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au fils de David. Hosanna wa Daudi. Qu'est-ce qu'il pouvait entendre? Sasa, alipasha kushikia nini? Et Bartimé? Na Bartimayo? Ah, autant de mettre le dos contre lui. Alikuwa mbali kabisa mami na, na il criait aussi. Na yeye alikuwa analalamika. Comment Jésus pouvait entendre? Sasa na muna kani Yesu alipasha kushikia. Bartimé qui était au loin. Bartimayo alikuwa mbali. Au milieu de beaucoup de bruit. Kati ya makelele mingi. Ce matin, asubuhi, Bartimée, Bartimée, là où tu es, uko, dans beaucoup de bruit, amiki, je veux entendre ta voix. Sauti yako, je veux entendre ta voix. Sauti yako. Même si tu es dehors, mogo, même si tu es quelque part au balcon, mogo kule yulu, comme les gens se cachent partout là-bas, Bartimée, Bartimée, quel que soit le bruit, Jésus entendra ta voix. Sauti yako. Jésus, sachant qu'il allait au calvaire yes, pour mourir pour les péchés du monde, marcher sans être ébranlé, kutembea, bila kutikiswa, suivant le Père, baba, ne faisant que ce que le Père lui disait, regardant au calvaire, calvaire, et dans quelques jours, mashiku chaji, il devait mourir pour les péchés du monde. D'un côté, Gambo ingine, Belzebul. Belzebul. De l'autre côté, Gambo ya uku, fils de David. Mwana wa Daudi. Hosanna au fils de David. Hosanna kwa mwana wa Daudi. De l'autre côté, Gambo. Fils de David. Mwana wa Daudi. Aie pitié de moi. Unirehemu. Dans son cœur, moyoni mwake, il avait un poids. Alikuwa na muziki. Du péché du monde. Ya zambi ya dunia. Il allait à Jérusalem. Alikuwa anaelekea ku Jerusalem. Pour être sacrifié. Jaye kutoku kusuru. Pour mourir. Ce qui l'intéressait, c'était sa marche pour aller mourir. Il avait un problème dans le cœur. Alors il y avait des bruits. Il y avait des bruits. Makelele. Il y avait son problème. Quand tu es dans un problème, wakati kuna mambo, si tu n'es pas sage, kama una na, una na, na on peut te poser un autre problème, tu vas répondre bêtement. Banaweza kukuletea mambo ingine na unajibia mbubabu. Parce que tu es chargé d'un autre problème. Kwa sababu, una, uko na muziko ingine ya mambo. Jésus était chargé d'un autre problème. Yesu na ya alichukua muziko ya mambo ingine. Pour mourir. Alikuwa na kufa. Les autres l'injuriaient. Bengine bengu na mutukana. Les autres le bénissaient. Bengine bengu na mubariki. Bartimé criait. Bartimé alikuwa na lalamika. Frère Baname dit. Tu Baname nasema. Comment pouvait-il entendre cet homme aveugle? Sasa, na muna kani alipashaka kushikia huyu mtu kipofu. Mais l'aveugle criait. Oh Jésus. Oh, toi le fils de David. Aie pitié de moi. Frère Branham a dit. La foi de ce mendiant aveugle arrêta Jésus sur son chemin. Imani. Yao kipofu muole ilisimamisha Yesu njiani mwake. Il s'arrêta et dit. Akashimama na kasema. Amenele ici. Unilete naye. Voyez-vous ce que fait la foi? Munaona kile imani iko nafanya? Voyez-vous ce que fait la foi? Même si Jésus est préoccupé, même si on l'injurie, même si on l'écrit comment, ta foi peut l'arrêter. Un jour, traversant la foule, une petite femme avait dépensé tout son argent chez le médecin. Et personne n'avait pu l'aider. Elle avait une perte de sang. Le médecin n'avait pas pu l'aider. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle a dit, je ne suis pas digne d'aller auprès de lui. Mais si je peux toucher ses vêtements, je crois que Dieu est en lui. Si simplement je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. Oh, elle n'avait pas d'écriture à ce sujet. La femme là n'avait pas d'écriture à ce sujet. Et si je touche, il n'y avait pas d'écriture. Il pas d'écriture. Mais lakini, sa foi
était allé au-delà de cela. Il y a une cambale qui a ya il. Pas d'écriture, mais avec la foi. La kini na iman. Mais vous avez une écriture. Ça, ça moi, muko na andiko. Vous avez une écriture ce soir ou ce matin. Pour croire que ce que j'essaie de vous dire, c'est les milliers de fois plus que ce que la femme avait. Vous avez au moins la foi sur la base de l'écriture. Parce que vous avez une référence. Nous avons Bartimée. Nous avons la femme au puits. Et la femme de perte de sang. Mais elle n'avait même pas d'écriture. Jésus s'est arrêté. Il a demandé qui m'a touché. Ainsi de suite. Mais il a trouvé cette femme, cette petite femme. Oh, a-t-il dit, ta foi t'a sauvé. Car elle avait senti dans son cœur, ayant foi en lui, que si elle le touchait, elle serait guérie. Branham m'a dit, c'était Jésus hier. Ici, cette femme, Bartimée, c'était Jésus quand? Quand il y a hier, il y a aussi aujourd'hui. Et il y a demain. Ce que je lis ici, Branham me dit, cette femme-là avait touché Jésus. Jésus s'arrêta. Mais c'était Jésus hier. Et Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui dimanche, le 29 novembre. Et nous sommes aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui. Et dans l'aujourd'hui. Et l'aujourd'hui, c'est le message de Malachie. Est-ce que vous êtes avec moi? Je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Ce n'est pas la femme, mais ce matin, c'est toi. Ce matin, c'est toi. Et je veux vous dire, aujourd'hui n'est pas seulement dimanche, mais il y a l'aujourd'hui. L'aujourd'hui. Votre aujourd'hui. Et votre aujourd'hui, c'est Malachie 4. Et Jésus, il était là hier. Et Jésus est ici présent. J'ai besoin de vos jaquettes spirituelles. J'ai besoin de vos yeux spirituels. J'aimerais que vous entrez maintenant dans l'avion. Pas même dans l'avion. Entrez dans votre radar. Et chacun soit dans son radar. Puisque maintenant, je vais vous parler de Jésus aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut crier. Alléluia. Amen. Branham a dit, Branham ça c'était Jésus-Christ hier. Yeah. Point. Nous. C'est Jésus aujourd'hui. Ni Yesu, Léo. Point. Nous. C'est Jésus pour toujours. Ni Yesu, Dieu, Léo. Point. Nous. Maintenant nous sommes aujourd'hui. Nous, ça, Léo. Branham a dit, Branham il a point dit, c'est moi qui t'ai guéri. Mais il a dit, ta foi t'a guéri. Si la foi d'une petite femme a amené Jésus à se retourner dans la foule, à la repérer pour lui dire que sa foi l'avait guéri de la perte du sang. Le même Jésus, yes, ce soir, yes, moya, il dit amen. Anasema, amen. Si Jésus à ce temps-là, par la petite foi de cette petite femme, kidogo ya a guéri la femme, le même Jésus ce matin, yes, moya, yes, amen. Amen. Écoutez ce que dit frère Branham. Je suis dans parle à cette montagne. Mumabiri, sema na imulim. J'ai lu le message ici en Denga Tabernacle là-bas, Kwa Mulumba.
Na nisoma hii mahubiri kudenga tabernacle ya kule kubakwa mulumba. Mon père était là. Baba yangu alikuwa kule. Ne voyez pas makudi mukola. Là je parle de mon père. Mushione baba yangu makudi mukola lakini nasema najua baba yangu wa kiro. Mon père André était là. Baba yangu André alikuwa pale. Quand je lis ce message. Wakati nisoma hii ujumbe. Il s'est tenu debout à côté de Ilunga Kanemo. Akashimama pembeni ya Ilunga Kanemo. Yes sir. Akalalamika yes. Yes sir. Yes. Je pense que vous allez faire yes aujourd'hui. Amen. 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 Le pagan fruit parle à cette montagne. 23 novembre 59. Tare makumi mbili na tatu mwezi wa kenda, mwezi wa kumi na moja mwaka wa makumi tano na chini. Eba na madi. Dupa na namana sema. J'aimerais simplement aller à l'intérieur. Mi napenda tu kwenda ndani. L'intérieur. Mule ndani. Et vous faire connaître un peu. Ce que le Saint-Esprit fait dans ma propre vie. Na kupenda kumionesha kwa kiloko bile Roho Mtakatifu anafanya ndani ya maisha yangu. La vie de qui? Maisha ya nani? De William Branham. Ya William Branham. Je veux entrer à l'intérieur. Napenda kuingia ndani. Pour faire connaître un peu ce que le Saint-Esprit fait dans ma propre vie. Na kumionesha kile Roho Mtakatifu anafanya maisha yangu binafsi. Et j'espère. Natumainie. En faisant ainsi. Na mkufanya hivi. Que cela vous fera prospérer. Hii itamistawisha. Hallelujah. Amen. Quand je veux parler. Wakati nitasema. Et ce que le Saint-Esprit. Ya bile Roho Mtakatifu. Fait dans ma vie. Anafanya maisha yangu. Quand vous écouterez ces choses. Cela vous fera prospérer. Hii itamistawisha. Qui veut le prospérer? Nani anapenda kustawi hapa? Qui veut le prospérer? Nani anapenda kustawi? Qui veut le prospérer? Nani anapenda kustawi? Prospérer à tous égards. Kustawi mubiote. Prospérer à tous égards. Kustawi mubiote. Prospérer à tous égards. Kustawi mubiote. Pour prospérer. Nani kustawi? Connaissez ce que Dieu a fait dans la vie de William Branham. Nani kustawi? Muyue kile Mungu anafanya mu maisha William Branham. Je vous ai dit entrer dans votre radar maintenant. Montez là-haut, c'est là où vous allez arrêter Jésus. J'aimerais simplement aller à l'intérieur et vous faire connaître un peu ce que le Saint-Esprit fait dans ma propre vie. Et j'espère en faisant ainsi que cela vous fera prospérer. Et na, vous amènera plus près de Dieu na, vous-même. Itamifikisha mwe peke yenu karibu sana na Mungu. Hangadi ngamba bidibarana mwezi. Wakati binaanza kusema bidibarana mwezi le mulendo wa Abraham. Bila Mungu alifanya maisha ya Abraham. Kibia kujunjisha matamu. Kwa bita kuvimbisha machafu. Kibia kujunjisha jifu. Kwa ile itakunenepesha tu. Kibia kubadisha franga. Kwa ile itakupatia franga. Kibyeze bwani mtu webeka okusama. Kwele tukafoye sema kichwa kyako kishukulume. Amba amene mwimpasi. Sema kwa amine mzuri. Jite mbona amen. Sema amine mzuri. Kibya kusemesha mwini ni zaa. Jo ile itakusogeza karibu sana na Mungu. Seke jo ya fea very brana. Kile Mungu anafanya na brana. Sema nous approche. Biko na tukaribisha. Nous amen. Inatufikisha. Plus près de. Karibu sana na Mungu. Voulez-vous être plus près de Dieu? Pour arriver près de Dieu. Écoutez ce que Dieu a fait avec Branham. Parle à cette montagne par agréable. C'est pourquoi moi je ne peux pas prêcher. Me limiter à l'est. Nishimamie tu kwa asubuhi. Bien que je vienne de l'est. Japo mimi natokea kwa asubuhi. Faut que j'arrive là où Firmé est arrivé. Inabidi nifike kule Firmé alifika. Moi je viens de l'est. Mimi natokea kwa asubuhi. Je suis parti à l'ouest. Firmé alienda kwa magharibi. Ce matin. Ya asubuhi. L'est et l'ouest. Asubuhi na magharibi binakutana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je me sens déjà très bien. Mina jishikia kabisa vizuri sasa. Quand j'entre à l'intérieur. Wakati mina ingia ndani. Vous parlez de ce que le Saint-Esprit. Na kumiambia bile Roho Mtakatifu. Ya anafanya maisha ni mwangu. J'espère. Na tumainie. Cela vous fera prospérer. Ya kwamba ile itamistawisha. J'espère. Na tumainie. Que cela vous amènera plus près. Ya kwamba ile itamifikisha karibu sana na Mungu. Vous êtes avec moi. Mukonami.
Il n'y a pas seulement l'ancien évangile qui nous a prospéré prédit. Aina tu paka injili ya kale ndio natusogeza karibu na Mungu. Oh, cesser de fumer. Oh, cesser de boire. Boache kulewa, boache kukuvuta. C'est la parole. Je le prêche aussi. Naihubiriaka na mie. Je condamne aussi les. Na mimi nasudegamu kukumu dhambi. Lakini Bwana anasema. Quand vous parlez de ce que Dieu a fait dans son ministère. Wakati mnasema bile Mungu alifanya muhuri. Le fils que parlait là. Kusema tu. Et les gens qui attendent. Na watu bebe rafiki. Ils prospèrent. Anastawi. Ils sont près de Dieu. Bebeko karibu sana na Mungu. Alléluia. Amen. La femme a touché. Ule muka ligusa Yesu. La femme fut guérie. Muki akapona. Mais dans conduit par l'esprit. Mumaobili mwenye kuongozwa na roho. 15 juillet 50. Tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka wa 50. Paragraphe 11. Kipindi cha 11. Jusqu'au paragraphe comment encore? Jusqu'au paragraphe excusez-moi. 11 et 12. Nous sommes kipindi ya 11 na 12. Un matin. Asubuhi fulani. Ça c'est aujourd'hui. Hii ni leo. Il a dit ça c'était Jésus hier. Alisema ile ilikuwa ni Yesu jana. Jésus aujourd'hui. Sasa Yesu leo. Et quand on parle de ce que Jésus a fait aujourd'hui. Na wakati tunasema Dieu a bile Yesu alifanya leo. Ça fait prospérer les gens. Biko na dastawisha watu. Ça amène les gens près de Dieu. Inafikisha watu karibu na Mungu. Na boyoka makambo ya mikolo oi. Sasa mshikie mambo ya leo. Soyez avec moi. Un matin, asubuhi fulani. Je me souviens que je m'étais levé pour aller en ville vers 5h. Na kumbuka sema nilipasha kulamuka asubuhi mapema jua kwenda mtauni mwa saa 11. Dieu m'a fait réveiller. Mungu alinilamushaka. Il avait dit. Alisema habille-toi. Vala mavazi. Je m'étais rendu en ville. Nikaenda mtauni. J'avais parcouru environ 5 km. Na nilitembea karibu makilomita 5. Je crois que c'était dans Je suis allé sous un arbre près d'une rivière. Et j'ai prié jusqu'à 9h. De 5h à 9h. Alors vers 9h, il ne voulait pas me laisser partir. Dieu. Je savais que les gens se demanderaient où j'étais. Quand il irait dans ma chambre. Comme il était sorti à 5h, Dieu lui réveille. Lève-toi. Habille-toi. Va. 5 km à pied. Il s'assoit sous l'arbre. Il prie de 9h. Et de 5h. À 9h. Il veut partir. Stop. Shimam. Mais les gens vont se demander Shibata, quand ils vont entrer dans ma chambre et qu'ils ne me trouvent na, pas na, je n'ai pas dit au revoir. Ils vont se demander. Shibata, il dit Anasem. J'étais donc à prière. Nalikuwa mao, naomba. J'ai entendu sa voix dire. Nikashikia sauti yake inasema. Lève-toi maintenant. Shimama sasa. Je me suis levé. Na nikalamuka. Maintenant mes amis. Sasa marafiki. Ceci n'est pas vraiment de l'imagination. Hii haina mawazo ya kuzania. Sa voix, sauti yake est tout aussi audible que la mienne l'est pour vous. Iko na shikilika vizuri sa vile sauti yangu mko na ishikie. Ce n'est pas vraiment ce n'est vraiment pas ce que vous imaginez. Haina bile mko na wazia. Je l'entends lorsqu'il parle. Je le regarde. Je lui parle comme vous me parlez. Comme je vous parle. C'est un être. Ce n'est pas du tout une imagination. Je l'entends lorsqu'il pose ses pieds sur la terre et qu'il marche. Toi, tu vas me dire que tu connais Jésus plus que Branham. Tu peux me dire que tu parles avec Jésus plus que Branham. Mais Branham, il est l'ami de l'époux. Il s'assoit avec Jésus. Il le regarde dans les yeux. Il écoute sa voix. Il sent quand il descend. Et quand il pose ses pieds sur la terre. Oh my. Hey. Il dit. Je l'entends.
Lorsqu'il pose ses pieds sur la terre et marche. Lorsqu'il parle. Il parle juste comme je l'ai fait. Oh. Hey. Il a une voix qui est d'un côté très douce. Et puis de l'autre côté très sévère. Quand Jésus parle, il a une voix d'un côté douce et de l'autre côté sévère. Les traits de son caractère, personne ne pourrait le peindre. Même ça, ce n'est pas exactement. Mais Bernard m'a dit, c'est à peu près. Quelque chose à peu près, mais ce n'est pas exactement. Il dit ici, les traits de ses caractères, personne ne peut le peindre. Quelque part, il dit, ça c'est peut-être de psychologie. Mais Branham, ce qu'il nous dit ici, c'est la réalité de ce qu'il a vu. Il dit, les traits de son caractère, personne ne pourrait le peindre. Il semble simplement que s'il parlait, cela renverserait le monde. Quand vous voyez Jésus d'un côté, parle avec une voix douce, de l'autre côté, avec une voix sévère. Mais s'il ose parler, ça va renverser le monde entier. Pourtant, il est très doux lorsque vous le regardez. Vous pourriez presque pleurer en le regardant. Mais s'il essaie de parler, le monde se renverse. Il a dit, lève-toi. Alors je me suis levé. Pale, je me suis mis à marcher. J'ai marché environ 1,6 km. Je pense, près d'un magasin que j'avais vu la veille. N'oubliez pas que la femme avait touché Jésus. Et c'était Jésus hier. Et Jésus aujourd'hui, pour que vous puissiez prospérer, pour que vous soyez près de Dieu. Voilà ce que Jésus a fait aujourd'hui. Je me suis arrivé, je suis arrivé sur ce magasin-là. Je ne savais quoi faire. Si ce n'est de marcher. Il a dit marche. Je me suis dit, je vais tout simplement continuer et contourner ce coin. Je suis arrivé au coin. Il a dit, tourne à droite. Je suis allé à droite. À des pâtés de maison. Ensuite, il a dit, tourne à gauche. Et juste à une fraction de seconde, je vis mon interprète d'hier précédent. Nikaona ule mutafsiri wangu ajuzi. Je savais que quelque chose allait se passer. Naliua sema hapa kitu fulani kitatendeka. Parce qu'il continuait tout simplement à s'approcher plus près de moi. Kwa sababu alikuwa anaendelea tu na kunikaribia. Je savais ce qui allait arriver. Et cela allait avoir lieu tout de suite. Il s'est approché de moi. M'a serré la main. Et là, il a dit, frère Branham, c'est étrange. Lève-toi. Lamuka. Va à droite. Va à gauche. Quelque part, l'interprète d'hier précédent, de vendredi, il dit, oh, il y a quelque chose qui va arriver maintenant. Il s'approche. Il s'approche. Il se croise. Il se serre la main. Il dit, mais frère madame, mais c'est étrange. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Donc il dit, je lui ai dit, un instant ne parle pas. C'est lui qui avait le point, voulait dire quelque chose. Mais toi, arrête. Un instant.
J'ai commencé à lui parler. Il m'a regardé. Alors j'ai vu en vision comment nous nous tenions là pendant qu'il interprétait le soir précédent. Nikaona muono wakati alishimama pale eko na nitafsiri ile juzi mangaribi. Jeji. Nikasema. Vous venez de l'hôtel. Unatokea kwa hotel. N'est-ce pas? Sivyo. Il a répondu oui monsieur. Nikasema ndio bwana. Jeji. Nikasema. L'un des forains. Moya ya figo yake. A été enlevé. Ilitoshwa. Il a dit c'est vrai. Anasema ni kweli. Je ne l'avais rencontré que la veille seulement ce soir là. À l'estrade. Mie nalikutanaka naye tu ni ile juzi mangaribi kumimbari. J'ai dit. Nikasema. Il y a trois ou quatre ans. Kuisha pita miaka tatu wala ine. Vous étiez censé faire quelque chose. Ulipashaka kufanya kitu fulani. Mais vous l'aviez pas fait. Lakini hukukifanya. N'est-ce pas vrai? Sivyo. Il a dit c'est vrai. Anasema ndivyo. J'ai dit. Nikasema. Vous avez donc subi une opération. Ulipasuliwaka. Et depuis votre opération, kule cela est passé de l'autre rein. Est-ce vrai? Ni kweli? Il a dit c'est vrai. Akasema ndio. Ma partie chérie. Viens. Sehemu yangu mupendo. J'ai dit. Nikasema. Hier soir, jana mangaribi, pendant que j'offrais une prière pour toute l'ensemble, wakati nalikuwa naombea mkusanyiko wote mzima, n'avez-vous pas saisi mon costume? Wey. Comme ceci de votre main? Au kuguse koti yangu muina muna na mkono yako. Hier soir, alors que j'offrais la prière pour toute l'assemblée, n'avez-vous pas saisi mon costume comme ceci de votre main très doucement? Pole, pole, kabisa. Ça, c'est Jésus. Ni Yesu leo. Ce n'est plus la femme aïna tena muke avec la perte de sang, mais c'est l'interprète. Hier soir, jana mangaribi, n'avez-vous pas au kuguse saisi mon costume comme ceci avec ta main très doucement? Mais c'est des soumas, frère Banam. Et c'est le costume. Tiens-moi mon interprète. Mais est-ce que le costume comme ça, quand on tient pour l'épaule, Kotiv, comme on dit pour l'épaule, si quelqu'un peut sentir pour l'épaule, arrête à kushikir. Pour l'épaule. Pour l'épaule. J'aimerais que ce matin que tu les touches. Pour la peine d'aller à Subui, umugusi ako doucement. Pour l'épaule. Doucement. Si tu les touches pour l'épaule, hein, tu vas prospérer. Si tu les touches pour l'épaule, tu seras près de Dieu. Si tu les touches pour l'épaule, tu seras rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Branham a dit, l'homme Mutu a commencé seulement à pleurer. C'est vrai. C'est vrai. J'ai prié. J'ai dit Seigneur, pour me confirmer que tu m'as guéri. Confirme cela. Et ce matin, il m'a dit, lève-toi, va en ville. Alléluia. Amen. Branham. Branham. Lève-toi. Lamuka. Va en ville. Kwenda mutown. Il est pris. Ego naomba. Il veut aller. Anataka kwenda. Arrête-toi. Simama paka hapa. Lève-toi maintenant. Lamuka sasa. Va à droite. Kwenda kukuhumbi. À gauche. Kwenda kushoto. Tourne. Geuka. Il va aller chez l'interprète. Anaenda kwa mtafsiri. Lève-toi. Lamuka. Va en ville. Kwenda mutown. Ils arrivent. Banafik. Celui-ci vient. Uye kuna kuye. Mais sachant où aller. Ashuye kule kuna enda. Celui-là va. Uye kuna enda. Mais sachant Ashuye où kuna enda. Mais le Dieu du ciel. Sasa Mungu wa mbinguni. Qui le connaissait tout ce temps. Il avait préparé. Un lieu de rencontre. Ce matin. Hii asubuhi. Tu auras ton lieu de rencontre. Nafasi yako ya kukutana. Ce matin. Hii asubuhi. Tu auras ton croissant. Utakuwa na masanga yako. Tu vas rencontrer Jésus. Utakutana na Yesu.
Que veux-tu que je te fasse? On a peine à nous faire chier nini. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il a bien dit faire nini. Toucher les pour l'épaule. On me gousse tout pour l'épaule doucement. Branham a dit. Branham en a sem. Même quand cette femme là. Attends où le voyageur tout le monde. Avait touché Jésus. Allez gousse à Jésus. Les habits des Palestiniens. Ma vase est en Palestinien. Il s'habille en trois parties. Il quoi dans ce magumi tatu la tate. Il y avait le moutambwa. Il quoi na qui a kufunga mukiuno. Il y avait la robe. Il quoi na kanju. Il y avait le pardessus. Il quoi na kiayulu. Quand il marche. Wakati on a tembe. Comme il marchait à pied. Ça veut dire quoi tembe la mikulu. Le vent flottait les habits. Pepe il quoi rena na lusha baba. Mais je t'ai dit ce matin que tu peux le toucher et être guéri. Tu peux le toucher et être béni. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes connectés? J'étends vers la fin. Alléluia! Amen! Il y a eu un croisement. Un lieu de rencontre. De Jésus avec Bartimée. Un rencontre. Un lieu de rencontre. Un croisement. De Jésus avec la femme de personne. Un croisement. Un lieu de rencontre. De l'interprète avec Jésus aujourd'hui. Alléluia! Amen! Ce matin, il faut qu'il y ait un croisement. Là où ta foi va le croiser. Là où ta foi va le toucher. Et quelque chose va arriver. Oh, tu t'es bon amen. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Oh, je me sens très bien. Je vous ai dit, mes amis, que quand Jésus s'arrête, il arrête ce qui ne va pas. Vous êtes disposés? J'ai dit, quand Jésus s'arrête, il arrête ce qui ne va pas. Il va arrêter ce qui ne va pas. Ouvrez votre Bible dans Luc chapitre 7. Versets 11 à 16. Luc chapitre 7. Luca sur Asab. Oh my. Oh, tukufu. Dieu. Mungu. Fais quelque chose pour ton peuple. Kitu frari jo yako. Qui se sacrifie pour toi. Juu yako. Ce matin. Yasubui. Dieu va vous retourner votre argent que vous dépensez. Mungu atakurisha franga yako ilo unatosha. Ce matin. Yasubui. Dieu va donner l'argent pour terminer ce bâtiment. Mungu ataleta franga kumaliza hii majengo. Ce matin. Yasubui. Ce qui te faisait mal va s'arrêter. Ile bilikuwa na kuluma bitashimama. Ce matin. Yasubui. Ta malédiction va s'arrêter. Na yako itashimama. Ce matin. Yasubui. Ta pauvreté, la pauvreté va s'arrêter. Ce matin, la diabète va s'arrêter. Ce matin, le cancer va s'arrêter. Ce matin, la cécité va s'arrêter. Ce matin, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ce matin, l'incrédulité va s'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 7. Luca sur Asab. Verset 11 à 16. Kumina moja pa kumina six. La Bible déclare. Bibile nasem. Le jour suivant. Chikuliofat. Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Yesu akaenda mumuji ya kuitwa Naina.
Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fit près de la porte de la ville, wakati alifika karibu na mulango ya muji, Jérusalem ancien est entouré de la grande clôture. Jérusalem ya zamani inazungulukwa na lupango kubwa. Il y a des routes de sortie partout. Kuko manjia ya kutokea ngambo yote. Même quand on parle que les disciples qui allaient vers le chemin de Maïs, ataba nasema banafunzi waenza ngambo njia ya Emaus. Il y avait une porte de sortie vers Emaus. Kulikuwa njia mulango ya kutokea kwenda kwa Emaus. Je vis cela, ce n'est pas mon problème. Na aliona ila ina mambo yangu. Maintenant comme on sortait de la ville. Sasa vile banaanza kutoka mumuji. Mais la Bible dit. Biblia inasema. Lorsqu'il fit près de la porte de la ville. Wakati walifika karibu na mulango wa muji. Jésus entrait dans la ville. Yesu akaingia mumuji. Mais on portait en terre un mort. Barikuwa bebo naenda kuzika mauti. Fils unique de sa mère. Mutoto wa upekee wa mama yake. Cette mère qui était veuve. Ule muke alikuwa mujane. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Alikuwa na batu ba mingi sana ba mwile muji. Le Seigneur qui entrait dans la ville l'ayant vu. Bwana wewe alipokuingia mumuji akamuona. Fut ému de compassion. Akashikia buluma. Ma prière ce matin. Maombi yangu ya asubuhi. Que Jésus ait compassion de vous. Yesu akushikilie buluma. Que Jésus va te regarder. Wakati Yesu atakuangalia. Il ait compassion de toi. Akushikilie buluma. Na Jésus ait compassion pour elle. Yesu akamshikilia buluma. Lui dit. Akamwambie. Ne pleure pas. Usilie. Aujourd'hui tes pleurs vont s'arrêter. Leo kilio chako kitaisha. Jésus va te dire ne pleure pas. Yesu atakwambia usilie. Aujourd'hui Léo, ta main sur la joue, ile mkono yako kulichafu, va s'arrêter. Itaisha. Tu vas l'enlever. Utaitosha. Ne pleure pas. Usilie. Il s'approcha. Akamkaribie. Et toucha. Akagusa. Le cercueil. Akagusa sanduku. Et ce qui le portait s'arrêtait. Na bale balikuwa na beba ile sanduku bakashimama. Il dit. Akasema. Jeune homme. Kiano. Je te l'ai dit. Lève-toi. Nakwambia amuka. Et le mort s'assit. Na ule mauti akaikala. Et s'est mis à parler. Akaanza na kusema. Jésus le rendit à sa mère. Yesu akamurudisha kwa mama yake. Et tous furent saisis de crainte. Na bote bakapata boka. Il glorifiait Dieu disant. Bakaanza kutukuza Mungu na kusema. Un grand prophète apparu parmi nous. Nabii kubwa anaonekana katika Dieu. Na Mungu a visité son père. Anatembelea uma yake. Un grand prophète. Nabii kubwa apparu. Anaonekana Dieu. Na Mungu a visité l'ice tabernacle. Anafariji l'ice maskani. Dieu a visité l'ice tabernacle. Ye Mungu anatembelea l'ice maskani. Pourquoi? Dieu nini? Un grand prophète. Nabii kubwa apparu. Anaonekana. Un prophète. Nabi. Un grand. Nabi ku. De grande stature. Wawali wa kimo kia ju. Depuis Enoch jusqu'à Jésus. Ya kutokea Enoch paka na kwa Yesu. Et entre Enoch. Na katikati ya Enoch. Et aujourd'hui. Na ye na leo. Même Jésus est au milieu. Yesu yuko katikati pale. Et Jésus était le prophète de Nazareth. Yesu alikuwa nabii wa Nazareth. Et Branham. Branham. Un grand prophète. Nabii mkuu. Depuis Enoch. Tokea Enoch. Jusqu'à nos jours. Paka na leo. Il dépasse même Jésus. Anapita na Yesu. Soyez scandalisé, ce n'est pas mon problème. Ataka mbona kuanzika ni mambo yako. Mais c'est la parole. Ni neno. Un grand prophète. Nabii mkuu. Depuis Enoch. Tokea Enoch. À nos jours. Paka na mashiku yetu. Et de Enoch. Na tokea Enoch. À nos jours. Na mashiku yetu. Jésus était au milieu. Yesu alikuwa katikati mule. Je parle de Jésus le prophète. Nasema jana na Yesu nabii. Je ne parle pas de Jésus Dieu. Siseme jua Yesu Mungu. Je parle de Jésus prophète. Nasema na Yesu nabii. Jésus prophète. Yesu nabii. Ministère de Branham le dépasse. Utumishi wa nabii una oh, est-ce que vous dites amen? Quand je vous raconte de ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est ce qui vous fait prospérer. C'est ce qui vous amène plus près de Dieu. Est-ce que vous dites amen? Un fils unique de sa mère. Mort. Anakufa. On sort la ville. Bananza kutoka mumuji. Un fils unique de son père. Mwana wa upekee wa baba yake. Vivant. Eko hai. Il entre dans la ville. Anaingia mumuji. La mort. Kule.
et la vie, l'oufou na uzima, se croisent. Bana kutana. Un lieu de rencontre. Est-ce que vous êtes avec moi? La vie uzima et la mort, l'oufou, se rencontrent. Un croisement. Masanganji. Un lieu de rencontre. Et quand il se rencontre, Jésus s'arrête. Yes, et quand il s'arrête, il arrête la foule. Kundi. Et il le touche. Na on l'avait touché. Balimugusa. Mais lui a touché. Sasa ye apa anagusa. Quand lui a touché, anagusa, le cercueil, ma, sanduku, il a levé la voix. Anainua sauti. Il a dit, anasema, jeune homme, Kiana, lève-toi. La muka. Et le mort na mufu se leva anaislamuk et s'assit. Na naikala. Nujibufu mwameni baka mwala mshetani. Munashikia baba nasema saba lifungula sanduku. Nujibufu mwameni kawulai mshetani. Banasema hapa saba mfungule sanduku. Kati mufu wabi kibishu kusomba msheta mukana. Sasa uyu mufu anafufuka na muna kanisa sanduku ya kufungwa. Dinga mbamuji nde mpembeleo. Nasema hii asubuhi pembeleo. Nasubuhu bakanga. Ataka baba nafunga. Mwabila ya ujulenga muka mbukura kuna. Ule mwana ule atagusa sanduku na itafunguka. Aleluya. Amen. Nasubuhu bakanga. Ataka baba nafunga. Nasubuhu atabubashu beba. Ataka basha kamata utajiri wako. Kujibaloshi bakwenu. Balosi bakwenu. Nasuku nibena manga. Bata yesu kuchawi. Bata yesu kuchawi. Kujibu atabusheta. Atagusa sanduku. Kujibu mufu atafunguka. Alléluia. Amen. J'ai dit que je suis venu vous bénir. Nasema mimi nakuja kumbariki. Soyez bénis. Mubarikiwe. Soyez remplis. Mujazwe. L'essentiel. Ya lazima chercher un lieu de rencontre. Mutafute fasha ambayo kukutana naye. Je parle comme je parle. Niko nasema ina maana niko nasema. Vous amenez à un lieu. Jambi kufikisha fasha ambayo kukutana naye. Huyo aura un croisement. Kule kwa mtaenda kukutana. Une fois croisement. Inabidi makutano. Vous allez toucher doucement. Utagusa pole pole. Et lui va aussi te toucher. Na yeye atakugusa. Lui il s'arrête. Ya nashimama. Les choses vont s'arrêter. Bitu na bebi nashimama. Na shabakanga. Ataba beshafung. Na shabene kwenu kumuso kubonso bashuka. Ataba ba kwenu kukichichi wote banalala. Na shabobu bamba ni we mulele mwana bangasa mulo mwisambo. Ataka baba nasema ukazala mtoto baniweke kilole kia sita hapa. Si tu mets au monde. Kama unazala. Si tu recouvres la vie. We ukaona. Que j'ai le sixième doigt. Baniweke kilole kia sita hapa. Mais ce matin. Hii asubuhi. Je te dis qu'ils. Na kuambia sema. Ils ont menti. Banalanda. Ce matin. Hii asubuhi. Je te dis que Jésus. Na kuambia sema Yesu. Va te lever sans que le secret soit ouvert. Ata kulamusha bila sanduku kufunguka. Ce matin. Hii asubuhi. Dieu va te donner ta bénédiction. Yesu atupatia baraka yako. Même si le secret n'est pas ouvert. Ata kama sanduku haifunguke. Est-ce que vous dites amen? Et tu me amina. Pouvez dire alléluia. Vous alléluia. Pouvez dire gloire à Dieu. Kwa Mungu. Dites, je suis déjà béni. Sema, je suis déjà sauvé. Naisha kuokolewa. Je suis guéri. Naisha bona. La promesse est pour moi. Adi ni yangu. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Mishangilie bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le parent rédempteur. Nduku mukombozi. Oh Jésus. Oh yes. 2 octobre 60. Tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka wa 16. Mwaka 57. Kipindi 157. Pour les 1766. Dieu bengine ni 156. Le saint prophète dit. Nabii mtakatifu anasema. La parole. Neno. Devenu un être humain. Inakuwa mwanadamu. Devint un parent. Inakuwa mkombozi. Il s'est fait homme. Ana inakuwa mtu. Oh. Eh. Il mourut. Akaku alikufaka. Pour qu'à travers sa mort. Dieu asema kupitia lufu lwake. Moi je devienne vie. Mimi nikuwe uzima. Jésus mourut. Yesu alikufaka. Pour qu'à travers sa mort. Dieu kusema kupitia lufu lwake. Que je devienne vie. Mie nikuwe muzima. Dites je ne mourrai pas. Sema shita kufaka. Jésus est déjà mort pour moi. Yesu asha difia. Banama dit. Banama nasema. Il devint pécheur.
pour qu'à travers sa justice, j'ai la vie. Dit amen. Il devint pauvre. Pour qu'à travers sa pauvreté, et je devienne riche. Vous dites amen. Mais toi, tu gardes la pauvreté sur base de quoi? Même mon tétoua yom. Mais toi, tu confesses la pauvreté. Mais tu seras pauvre. Alors qu'il est mort pauvre. Sans maison. Pour que moi j'ai une maison. Il est mort. Sans costume. Avec une seule robe. Pour que j'ai beaucoup de costumes. Il est mort. Avec des sandales. Pour que je porte beaucoup de souliers. Oh, si vous le croyez, ça va arriver. Alléluia. Amen. Branham a dit. Branham anasem. Il devint ce que j'étais. Pour qu'à travers sa grâce, je devienne ce qu'il est. Je vous ai dit que vous dites amen. Anasem amina. J'atterris. La porte du cœur. Mulango wa moyo. 12 mars. Tarek 12 mwezi wa 3 1960 paragraphe 25 partie 2 kipindi 25 sehemu ya pili. Vous savez, unajua Dieu Mungu, ça c'est une citation de longtemps. Maman Françoise peut se rappeler ça. Ni, à la montagne là-bas. Zamani, Maman Françoise, il y a beaucoup qui peuvent se rappeler ça. Ça c'est une vieille citation. Vous savez, unajua Dieu Mungu a une guérison pour toutes choses. Eko na uponyaji juu ya kila kitu. Ah, dites un bon amen, non? Sema amina mzuri. Dieu a une guérison pour toutes choses. Mungu eko na uponyaji juu ya kila kitu. Double point. Nukta mbili. Des âmes malades du péché. Manafsi yenye kugonjwa zambi. Dieu a une guérison pour ton âme malade. Mungu eko na uponyaji juu ya kila kitu. Les péchés vont s'arrêter. Zambi itashimama. Ce matin, asubuhi, l'envie même des péchés va s'arrêter. Tamaa ya zambi itashimama. Ce matin, asubuhi, la racine même du péché va s'arrêter. Uzizi ya zambi yenyewe itashimama. Dieu a un médicament. Mungu eko na dawa. Il a une guérison. Eko na uponyaji. Pour des âmes malades du péché. Dieu a manafsi yenyewe kugonjwa zambi. Il a la guérison des corps. Eko na uponyaji wa moyo wa mwili. Dieu, Mungu, a la guérison des rétrogrades. Eko na uponyaji abale basha rudi kinyume. Si même tu as rétrogradé, tu deviens faible dans la foi. Unakuwa mzaifu muimani. Pour venir à l'église, tu commences à avoir des complexes. Unaanza kushikia na haya. Peut-être le pasteur connaît déjà ce que j'ai fait. Ça signifie pasteur anayo. Les diacres ont tranché la chose. Ça vile mais les frères, bon, je vais aller à 10h pour me mettre un peu au fond comme un papa. La parole est émise, que Dieu vous bénisse, je sors. Ce matin ne part pas. Il y a la guérison pour toi. La guérison pour tes rétrogrades. Dieu va te récupérer. Est-ce que vous dites amen? Amen. La guérison des corps. La guérison de l'âme. Et la guérison des rétrogrades. Dieu a cette guérison-là. Branham a dit, Branham, peu importe ce que vous êtes, Dieu possède le remède dans son grand cabinet médical. Mungu eko na dawa ya nguvu mwile tu duka yake ya uganga. Peu importe aizuru ce que vous êtes. Kile uko. Même la pauvreté. Ata umaskini. Dans le cabinet médical. Munyumba ya uganga. Il y a un médicament pour cela. Eko dawa ya ile. Peu importe aizuru. C'est-à-dire peu importe. Parasema ata ya ce matin.
Dans le cabinet médical de Dieu. Il y a le remède de tout. Vous êtes prêts? Jésus aujourd'hui. Yesu leo. Je vais terminer. Nataka kumaliza. À qui irions-nous? Tutaenda kwa nani? 6 juin 1960. Tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka wa 87 à 89. Kipindi 17 na 87 87 87 na 9. Comment ça vous apprêtez? Mwanze kujitayarisha. Affrontez vos doigts. Mwanze kusukula mikono. Frotter les doigts pour toucher Jésus. Arranger la gorge comme Bartimée pour crier très fort. Jésus va s'arrêter. Frotter les doigts pour le toucher. Arranger la gorge pour crier. Parce que Jésus va s'arrêter. Mais moi je vous dis qu'il est déjà là. Là où il y a sa parole, Jésus est là. Il attend seulement que vous puissiez le toucher. J'ai beaucoup parlé de lui. Maintenant, c'est à vous de le toucher. C'est à vous de le crier. Et c'est à lui de vous demander. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Écoutez ce que Dieu a fait aujourd'hui. Vous avez l'interprète. Hein? Vous avez saisi cela. Maintenant, suivez ça. L'autre jour, Monsieur Oud avait peint ma véranda. J'avais verrouillé la porte et je suis sorti par la porte de devant. La renferma en allant visiter les malades. À mon retour, la porte était fermée et je ne pouvais pas entrer. J'avais ma famille dans le véhicule. Eh bien, il n'y avait qu'une seule chose à faire. C'était de sortir, prendre le marteau et casser la fenêtre pour entrer. Soyez connectés à ceci. C'est ce qui nous fait prospérer. C'est ce qui va vous amener devant Dieu maintenant. Il dit, j'avais ma famille dans ma voiture. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. C'était de sortir, prendre le marteau et casser la fenêtre pour entrer. Je suis donc sorti. J'ai cassé la fenêtre en la cassant avec le marteau. Ça s'est brisé en petits débris de verre qui se sont éparpillés partout. Il dit, ma jeune fille Rebecca, elle est allée balayer tout ça. Des débris de verre cassés. Le lendemain, elle était assise dans la cuisine faisant la vaisselle. Elle parlait à sa soeur, Sarah, qui avait cassé un verre. Elle l'avait jeté dans une boîte en jetant de la nourriture dessus. Alivunjaka kilauri na kaitupa hayo munani mupubele. Muyalala na akabeba na chakula katupa amu. Et la chose suivante, vous savez, na kilifuata, un petit chien de maître est passé là. Sasa imbwa fulani akaya akapita pale. Est entré dans la poubelle. Akaingia mwile yalala. A avalé le verre au même moment que la nourriture. Akatosha kile kilauri pamoja na chakula. Amen. Et les débris de verre. Vous êtes avec moi? Il dit, le pauvre petit chien était couché sur la pelouse. Piquant vraiment de crise et se retournant. Oh, hey. Je n'ai jamais vu un chien souffrir autant. Shia onaka imbo kuteswa ina muna. Je ne pouvais pas savoir à qui il appartenait. Mishukukushukwena yasema imbo alikuwa wa nani? Monsieur Mai, mon voisin a dit. Nduku Mai rafiki wangu akasema. Billy. Je pense que c'est la meilleure chose que nous ayons à faire. Kitu kizuri kashikufanya, c'est de le prendre. Ni kumubeba et de le tirer dessus. Na tumuue. Oh, j'ai dit, Nikasem, nous n'aimerions pas tirer sur le chien d'autrui. Atuwezi kuua imba wa benyewe. Ici, il y a une leçon. Apa kuko mafundisho. Toi qui tues les poules d'autrui, wewe uko na uwa makuku ya benyewe.
Branham n'a pas fait ça. Branham a chikufanya ville. Tuole. Tumui. Il souffre. Il est malade. Non, mai. On ne peut pas tirer sur un champ d'autrui. Voyez. On dirait que c'était un bon chien de maître. J'ai dit, je ne ferai pas ça. Il est resté couché là environ 4 ou 5 jours chez Branham. Seigneur. Et oh, hey. Dans un état vraiment terrible, le petit animal n'arrivait plus à se relever. Je n'avais jamais vu un chien aussi malade. Il ne faisait que sautier. C'est tordant. Comme cela. J'ai dit. Oh. Eh. Ne voudriez-vous pas l'amener chez un vétérinaire? Mai a dit. Le vétérinaire le ferait dormir. Alors j'ai dit. Eh bien, ça ne sert à rien de l'amener chez un vétérinaire. Et le petit Joseph. Na mutoto Joseph. Et moi. Nami. Joseph vient. Joseph Kui. Le petit Joseph. Joseph Mudo. Et moi. Nami. Nous sommes allés dans la cour. Tukaenda mulupango. Nous avons pris un bouillon de vache. Tukabeba musabu. Tukabeba chakula ya ngombe. Et autres. Na bingine. Le petit animal n'arrivait pas à manger cela. Et il était trop malade. La situation de qui? D'un chien. Ali ya imbwa. Ça préoccupe Branham. Imambo ya imbwa inazuru Branham. Jusqu'à aller chercher la nourriture pour donner à un chien. Anaenda kutafuta chakula jo kupatia imbwa. Le chien part, il ne part pas. Imbwa kwenda ashende. Mourir ne meurt pas. Kufa ashifwe. Chez Branham 4 à 5 jours. Karibu shiku tano. Eh bien, Bizuri. Ceci est la vérité, mes amis. Hii, ni ukweli marafiki yangu. Je suis votre frère. Mimi niko nduku yenu. Notre précieux frère. Nduku yetu damani. Joseph. Joseph. Enlevez les yeux vers moi. Comme pour me dire. Papa. Baba. Veux-tu l'aider? Unapenda unaweza kumsaidia? Papa, Baba, veux-tu aider le chef? Unaweza kusaidia kwa imbwa? J'ai dit. Nikasema. Joseph. Joseph. Tiens la main de papa. Kamata mkono ya baba. Je vais imposer la main à ce petit chef. Mie tawekea huyu imbwa mikono. Hallelujah. Amen. Dieu est mon juge. Mungu mwamzi wangu. Je me suis agenouillé. Nikapika magoti. J'ai offert. Nikato. Une prière pour ce petit Maombi. Chien. Tu as kaka imbwa. Le petit chien. Imbwa mdogo. Je me suis agenouillé. Nikapika magoti. J'ai imposé mes mains. Nikaweka mikono yangu. Pour offrir une prière pour ce petit chien. Après avoir terminé, kumaliza, le chien s'est levé. S'est relevé. Il a pris son souper. Akula yake. Il a mangé. Akaikula. Il a parcouru le chien. Mbio, kiwa lupango. Akazunguluka lupango. Alléluia. Amen. Ça c'est Jésus. Huyu ni Yesu leo. Jésus. Yesu leo. Il a parcouru le champ tout aussi heureux que possible. Na furaka bisa sana. Branham a dit. Branham anasema. Eh bien. Vizuri. C'est la vérité. Ni ukweli. C'était. Il y coua environ à 4 mètres et demi de là que la vieille mère Oposume avait été guérie. Il y coua karibu na metra ine na nusu ya ile fashi mama Oposume aliponaka. Alléluia. Amen. Le chien imbwa guéri anapona à 4
mètre à mètre et demi. Karibu meta ine na nusu. C'est là que la mère oposome. Ile fashi mama oposome aliponea. Ile fashi mama oposome aliponea. Ça c'est Jésus aujourd'hui. Ni Yesu leo hii. Maintenant écoutez mon problème. Sasa shikilizeni mambo yangu. Il dit vous m'avez entendu parler de cela. Anasema mlishikiana alisema imam. Environ 4 mètres et demi. Karibu meta 5 meta ine na nusu. Oh écoutez ce qui m'intéresse aussi. Shikilizeni na ndugu inataka. Bwana mati. Ndugu bwana anasema. Si Dieu. Kama Mungu. A exaucé la prière pour un chien. Kama Mungu alijibia maombi juu ya imbwa. Préparez vos doigts. Donc mutayarisha bilole yenu. Préparez vos voix. Mutayarisha masauti yenu. Il faut que Jésus fasse quelque chose. Inabidi Yesu atende kwa kifulani. Je suis en train de terminer. Niko mkumalize. Branham a dit. Branham anasema. Si Dieu. Kama Mungu. A exaucé la prière pour un chien. Alijibia maombi juu ya imbwa. A combien plus forte raison. Itakuwa sasa namuna kani. N'exaucera-t-il pas. Sasa, namuna kani. La prière. Maombi. Pour un être humain. Juu ya mwanadamu. Son enfant. Mutoto yake. Lavé par le sang de l'agneau. Mwenye naoshwa kumdamu ya mwana kondo. Dieu. Mungu. Prend sa puissance pour guérir un petit chien. Laissez-moi vous dire, mes amis, le chien là, dans le chien, Dieu n'a pas d'intérêt. Je me répète, dans le chien, Dieu n'a pas d'intérêt. Même si tu vends ton chien, même si tu vends ton chibelebele, son argent ne l'amène pas dans la maison de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Le chien imbwa, où Dieu n'a pas d'intérêt, Dieu s'arrête, exauce la prière pour un chien. Est-ce que les gens ont la foi? Vous avez la foi? Dites, je suis plus qu'un chien. Je dépasse le chien. Je crois dans Branham. Je crois dans l'action du jour. Dieu va faire quelque chose. Le chien. Dieu n'a pas d'intérêt, papa. Plus encore, le chien d'autrui qui n'est même pas de Branham. Ça veut dire Branham, tout ce que tu aimes et tout ce qui t'ont aimé. Même le chien de Branham, Branham l'a trouvé au ciel. Mais ce chien ici, un chien d'autrui, Dieu s'arrête pour un chien d'autrui qui n'a pas d'intérêt. Mais ce matin, tu dépasses le chien. Ce matin, tu n'es pas d'autrui. Tu n'es pas d'autrui. Tu n'es pas d'autrui. Firmé, tu n'es pas d'autrui. Tu as dit, tu n'es pas d'autrui. Moi, je ne suis pas d'autrui. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis le fils de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Aujourd'hui, Jésus va s'arrêter. Aujourd'hui, tu vas avoir la vie. Tu vas avoir le salut. Tu seras guéri. Tu seras béni. Tu seras sauvé. Tu seras rempli. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Dieu. C'est pour vivre un agneau. Vraiment, on m'a dit. Il est le même. Hier. Aujourd'hui et demain. Un seul appel. Un seul cri. Ce matin. Le fera venir. Sur la scène. Exactement. Kabisa. De la même façon muna moya moya, que cela le fit alors bile alifanyaka tena. Ce matin
Un seul cri le fera arrêter exactement comme il le fit alors. Que ce soit du temps de Jésus, que ce soit du temps de Jésus d'aujourd'hui, ce matin, il est le même. Oh, combien il demeure le même. Donc, quel est ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, c'est le lieu de rencontre. Maintenant, c'est le croisement. Il est déjà là. Il s'est arrêté. Même s'il va passer à côté de toi, tiens-le dans les habits. Qu'il ne parle pas. Maintenant, ce n'est pas notre Dieu, mais c'est mon Dieu. Ce matin, ce n'est pas le Dieu de Lys, mais que ce soit le Dieu de Masengo et de Mutombo. Qu'il soit ton Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui est fermé? Qu'est-ce qui est dans le cercueil? Qu'est-ce qui est dans le cercueil? Ce matin, ce qui était caché, ça sera vu de tous. Les gens vont glorifier Dieu. Les gens vont adorer Dieu. Les gens vont se demander qu'est-ce qui lui est arrivé. Les gens vont gratter la tête. Ils vont gratter la tête. Ils vont dire qu'est-ce qui lui est arrivé. Vous allez leur dire il y a eu un croisement. Il y a eu un croisement. Le matin là, de dimanche 29 novembre, j'ai croisé Dieu. Police tabernacle. La chose s'est arrêtée. Ça va s'arrêter. Donnez-moi un bon cantique. Alléluia. Amen. Alléluia. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Il est ici. Que ta foi le touche. Que ta foi le touche. Que ta foi le touche. Que ta foi l'arrête. Alléluia. Amen. Oh,
Yesu chilote Yesu kumakwe Chisamba chisu Kilila Kumashi Kamushika mukole Yesu Mungu hachi Benesha Yeyela Beneshi Weka chidi
santé. Yesu arashimama. Éteins ce matin. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est le moment de continuer à crier. Touchez Jésus d'une façon spéciale. Il peut le faire et le faire encore dans ta vie. Le Seigneur non pas étant assis, on est à genoux ou debout, la position de la prière, la position de la prière, debout ou bien à genoux, ou bien à genoux, pour accomplir un miracle dans ta vie aujourd'hui. Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Dispensateur de tous les dons excellents, c'est toi le grand Elohim le fort, le grand Jéhovah Jireh, le grand Jéhovah Rapha, le grand Jéhovah Manassé. Tu es le tout en tout, le tout puissant, le maître des temps et des circonstances. Tu es l'éternel, tu avais déjà vu la fin avant le commencement. Bien avant la fondation du monde, tu connaissais ces jours. Tu savais que tes enfants allaient au Dieu, crier à toi et t'amener à t'arrêter au lys tabernacle. Ce matin, je crois que tu t'es arrêté. Toi qui es le même hier, aujourd'hui pour toujours. Tu t'es arrêté, Seigneur. Et tu as demandé à chacun de nous, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Chacun de nous t'a parlé, Seigneur. Et je crois, ô Dieu tout-puissant, que ce que tu avais fait autrefois,
Tu continues à le faire ce matin, Seigneur. La même puissance qui avait guéri l'aveugle Bartimée, la même puissance qui avait arrêté le sang de cette femme qui avait souffert pendant 12 ans, la même puissance qui a guéri un petit chien aujourd'hui, cette même puissance est ici. Elle a guéri mon frère, elle a guéri ma soeur, elle a béni mon frère. Cette même puissance nous fait prospérer, nous a rapprochés plus près de toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de cette parole, cette déclaration que tu avais faite. Tu avais dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi nous croyons, Seigneur, que notre misère s'est arrêtée. Nous croyons que nos tourments se sont arrêtés. Nous croyons que l'incrédulité s'est arrêtée. La mondanité s'est arrêtée. La malédiction s'est arrêtée. Tout ce qui est du diable s'est arrêté. Et maintenant, Seigneur, c'est une nouvelle marche. Je crois que tu as baptisé du Saint-Esprit. Tu as encore rempli de nouveau du Saint-Esprit. Tu nous as donné une nouvelle marche. Tu nous as donné tout ce que nous t'avons demandé. Tu nous as accordé la prospérité à tous égards. Tu as fait pleuvoir des pluies, des super pluies ce matin. Des pluies de bénédictions matérielles, des pluies de bénédictions spirituelles, des pluies de bénédictions physiques, des pluies de bénédictions financières, Seigneur. Et je crois, Seigneur, que nous sommes bénis. C'est pourquoi je te dis merci. Merci, Seigneur Jésus. Donne à chacun de nous cette pleine assurance que nous allions en confessant, en proclamant notre délivrance, en proclamant notre bénédiction, en proclamant notre guérison, en proclamant tout ce que nous t'avons demandé, et nous le verrons s'accomplir dans notre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, daigne bénir ton serviteur, le pasteur Daniel Makoudi, que tu as utilisé puissamment dans cette réunion de prière de ce matin. C'est toi le maître des temps et des circonstances qui avait vu le besoin dans ton peuple. Et tu as permis que nous puissions avoir cette réunion. Nous te disons grandement merci. Bénis-le richement. Fortifie-le, Seigneur. Comble-le encore davantage. Bénis son épouse, sa famille, son église. Soutiens-le, Seigneur. Et quand il va rentrer au début de cette semaine qui commence, que tu puisses le protéger comme tu l'as protégé en venant ici. Que tu le protèges sur le chemin de retour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Seigneur Jésus, aide-moi, aide mes frères et mes soeurs à ne jamais faire de compromis avec ta parole. Seigneur Jésus, pardonne nos insuffisances, que nous soyons ramenés à notre héritage. Nous voulons être des croyants vertueux, obéissant, des croyants pleins de foi. Et je crois que tu as exaucé cette prière, car nous l'avons demandé dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors,